Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Chose promis, chose du bonsoir, Yaya. Tu as récupéré ton super fan. Tu as vu, c'était pas moi. Dieu merci, vraiment, merci beaucoup. Donc, comme je vous ai promis, le Oustaz va venir, Inch'Allah, tout à l'heure, rapidement faire des prières et des invocations pour la Guinée, pour les nouvelles autorités, pour la population, pour tout le monde. Parce que, comment on appelle ça? Comment ça va, Manda qui sent quoi là. Salut, Lévis, comment tu vas, Bakar Lévis? Non, Lévis, j'espère que tu vas bien. Essaye de partager, ça va pas durer, ça sera les prières et les invocations pour tout le monde. Si les nouvelles autorités et le peuple n'est pas bien guidé, awa, ça sera répétition de Astaghfirullah, Allahumma Amina. Donc, on va faire beaucoup de vidéos religieuses, des invocations, tout ça là, pas très long pour que plusieurs personnes puissent voir, parce que beaucoup de personnes ne savent même pas les faire. Et les faire aussi en direct comme ça va faire peur aux chayatines et les représentants des chayatines qui sont sur les réseaux sociaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les change, qu'il les amène à la raison. S'ils ne changent pas, qu'il les anéantissent et les détruisent tous. Voilà. Donc, on va l'appeler. Inch'Allah, essayez de partager. Parce que lui aussi, il a ses affaires, il a sa vie. Si on peut le contacter une fois par semaine, Inch'Allah, ça sera pas mal, quoi. Vous voyez, non? Les réseaux sociaux, c'est pas seulement. On a beaucoup dénoncé, à peu près un an, on est en train de dénoncer. On va prier aussi, c'est Allah qui nous aide. Si on ne l'invoque pas, on doit l'invoquer. En privé, en public, partout, il doit être avec nous. Donc, je vais voir si il est là. Il est où? Il est où? Ok, voilà. Ceux qui se posent toujours la question, tout le monde, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ma main droite, elle est là. Les gens posent toujours cette question. Je bois avec ma main droite. C'est celle-là. Voilà ma main gauche. C'est la caméra qui montre dans le sens que vous pensez. Attendez, hein. Oustaz, excusez-moi. Je suis un peu bloquée là. Ok, c'est bon. Je suis débloquée maintenant. Ah, Connected. ok, c'est bon là. Allô? Ah, on est là. Allô? Oui, madame. Ah, ok, c'est bon. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ah, voilà. Bonsoir. Comment ça va là-bas? Alhamdulillah, madame. Et vous, comment allez-vous? Alhamdoulilah, Dieu merci. Je vais très très bien. J'espère que je vais aller mieux par la grâce d'Allah. De mieux en mieux, Oui. Inch'Allah. Vous aussi, je l'espère. Inch'Allah, j'espère que vous et votre famille vous portez bien. Alhamdoulilah, oui, ça va. Par la grâce de Inch'Allah, et vos auditeurs aussi, ceux qui vous écoutent et ceux qui vous encouragent. Ils On sont souhaite là. qu'Allah les donne la miséricorde par sa grâce. Amina, 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 amina. Amina. Donc, une fois de nouveau aussi, nous disons Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Et nous nous retrouvons ce soir pour une fois de nouveau sur votre page pour faire des petites explications ou bien des guidés pour aider aux gens de voir la route vers la route spirituelle, quoi. Donc aujourd'hui, on a décidé de venir faire des invocations pour les nouvelles autorités et pour la Guinée en entier, les Guinéens et le pays lui-même. Mais avant d'entamer le thème, toute chose se réfère premièrement à la tête. Si les autorités du pays actuel, qui sont aujourd'hui les commanditaires du pays, c'est eux l'exemple, c'est eux la référence, c'est eux que la population va prendre référence. Si ils sont sur la voie de la justice, de la spiritualité, de la pudeur, de l'égalité, du droit,
voix, l'édit de voix, c'est sûrement que la population va suivre. Tout à fait. Parce que c'est eux les détenteurs du pouvoir. Oui. Ils ont le pouvoir pour l'appliquer dans la justice et dans la pudeur. Oui. Pas pour l'appliquer dans l'injustice et dans la saleté. Donc aujourd'hui, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu beaucoup d'actes qui sont vraiment à saluer et à remercier Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui nous a gratifié. Oui. Et remercier aussi les nouvelles autorités qui ont fourni des pas très positifs vers cette justice, vers cette spiritualité que tout le monde attend. Parce que maintenant, je pense que les Guinéens ont mûri de leur faute. Vous voyez, donc aujourd'hui, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de cet acte nouveau que les autorités ont pu faire. Comme quoi, comme aujourd'hui, libérer les Guinéens. Oui. Libérer les Guinéens dans leur psychologie. Parce que vraiment, rien ne marchait en Guinée. Oui. Vous voyez, non? On les remercie de ça. Oui. Et nous sommes avec eux dans ça. Parce que leur objectif, c'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya, qu'Allah soit ta'ala ait miséricorde à lui, il a dit, c'est rétablir la justice. Et rétablir la dignité des Guinéens. Et cela ne peut pas être fait si ce n'est qu'à l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. L'aide, votre aide, votre première aide, ne va que venir que de Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. C'est pas de Paul ou de Pierre. Donc une aide qui va venir, ce n'est que de Allah. Oui. Donc maintenant, comment on doit se préparer, comment on doit se comporter pour recevoir cette aide-là venant de Allah? Oui. L'homme est une référence, l'homme est un intermédiaire, bien dit, de Dieu vers une autre personne. Oui. Mais l'aide ne vient que de Allah. Oui. Donc aujourd'hui, les Guinéens, ils ont eu l'aide de Dieu à travers les nouvelles autorités. Oui. Comment nous devons le remercier? Comment cette même autorité doit le remercier? C'est en étant avec Allah dans la pudeur, en s'éloignant tout ce qui est la souillure, qui est le shirk. Oui. Oui, la souillure. Oui, ce qui est le shirk, ce qui est tout ce qui n'est pas vers Dieu, abandonner et venir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça va aider beaucoup. Comment dirais-je, les autorités et la population. Pour continuer à avancer. Oui. Pour ne pas suivre des chemins en pensant que ces chemins-là peuvent nous envoyer en avant, alors que ça ne va que nous retarder. Oui. Donc nous allons faire des invocations, premièrement pour le colonel, parce que aujourd'hui c'est lui la référence de la Guinée. Oui. Pour le colonel, sa femme, sa mère, ses enfants, les proches collaborateurs du colonel, les gardes du colonel, le CNRD, que Allah les aide à faire ce qu'ils ont, ils se sont levés pour faire pour la Guinée et pour les Guinéens. Voilà. Et deuxièmement, nous allons faire une invocation pour les Guinéens, pour que Allah les réunisse tous, comme ils étaient avant le régime d'Alpha Condé, qu'Allah réunisse tous les Guinéens sur la même table, qui deviennent le même père et du même mère. Oui. Et que les ressources du pays qui sont exploitées dans notre pays nous servent à nous développer, à être une nation développée. Oui. Donc c'est sur ça que nous allons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous assiste à parvenir à ces pas, Inch'Allah. Pour ça, on va dire اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Vous dites amin, madame. Quand je m'arrête, vous dites amin. C'est comme si vous faites l'invocation avec moi. Ok? D'accord. Quand vous vous arrêtez, on dit amin. Vous aussi, vous écrivez oui. Amin quand il s'arrête, quand il stoppe. D'accord. Amin. Alors, ok? Oui. Donc, vous vous dites amin pour tous les Guinéens. Moi, je fais l'invocation pour tous les Guinéens. Ok, oui. Madame? D'accord, d'accord. D'accord, on va recommencer. Ok, اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمين. اللهم ذكرنا منه ما أنسينا. آمين. وعلمنا منه ما جهلنا. آمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. وجعل الحياة زينة لنا في كل خير. آمين. وجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك فيه. آمين. اللهم إننا نسألك عيشة حنية. آمين. وميتة سوية. آمين. وردا غير مخز ولا قادح. آمين. اللهم إننا نسألك خير المسألة. آمين. وخير الدعاء. آمين. وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا. آمين. وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا. آمين. واغفر لخطيئاتنا يا رب العالمين. اللهم إننا نسألك العلا من الجنة. آمين. اللهم إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا ونور قلبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Donc madame, c'était l'invocation pour tous les Guinéens, en commençant les nouvelles autorités, les nouvelles autorités. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah nous donne la voie de la réconciliation, la voie du développement, la voie d'un progrès, d'un avenir réussi, celui de nous, pour nous et de nos enfants et de nos petits-enfants. Qu'Allah réunit tous les Guinéens dans le même, sur la même table pour qu'ils deviennent les mêmes pères et les mêmes mères. Pour ça, je vous souhaite, Inch'Allah, bonne continuité, madame, et courage. Inch'Allah, Allah va nous aider. Merci, merci. Donc, c'est très simple. Merci, qu'Allah vous paye aussi. Merci beaucoup. Inch'Allah, madame, je vous entends un peu mal. Qu'Allah accepte les doigts ou les invocations et qu'il nous pardonne pour tous nos péchés qu'il nous guide, parce que c'est le meilleur des guides. Excusez-moi. Amin, madame. Merci beaucoup. Amin, amin. Ça fait des coupures, je vous entends un peu mal. Je dis merci beaucoup. Qu'Allah accepte nos doigts et les invocations qui nous guident parce que c'est le meilleur des guides. Merci à vous. Qu'Allah vous assiste et qu'il vous paye. Amin. Merci à vous également, madame, pour tout le courage, pour tout le combat que vous faites pour la vérité. Pas pour les Guinéens, mais pour la vérité. Mm-hmm. Toute personne qui a une conscience véridique, elle appréciera votre combat. Inch'Allah. Merci à vous, madame.